Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, je suis dans la clinique Evolia, située en région parisienne, et nous allons parler de la lactation, de pseudo-gestation ou grossesse nerveuse chez la chienne. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les signes et que doit-on faire? Eh bien, je vous propose d'en parler avec ma consœur vétérinaire, le docteur Juliette Ross-Pichenot, vétérinaire spécialisée en reproduction et associée chez AniRepro. Et j'espère que vous êtes tous abonnés à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Sinon, faites-le dès maintenant. La chaîne est gratuite et chaque jour, je vous mets une photo sur Instagram avec un conseil santé. À tout de suite. Bonjour Juliette. Bonjour Valérie. Bon, je te remercie de m'accueillir avec Péton, notre mascotte pour tous les sujets de reproduction, oui, de la chienne. Donc, on va parler de la grossesse nerveuse de, oui, la chienne aujourd'hui parce que ça survient assez très souvent. Fréquemment, oui. Oui, sur toutes les races de chiennes. Toutes. D'accord. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est assez étonnant, la grossesse nerveuse, déjà, il faut peut-être qu'on la définisse parce que ce n'est pas une chienne qui est gestante du tout, en fait. Non. Ça a lieu à la fin, au bout de 2 mois après les chaleurs, c'est-à-dire le moment où elle devrait mettre bas, c'est ça. Mais elle n'est pas du tout gestante. Tout à fait. Alors, en fait, effectivement, la chienne a une particularité physiologique qui est qu'en fait, qu'elle voit le mâle ou qu'elle ne le voit pas du tout dans sa vie, à chaque cycle, après les chaleurs, elle va ovuler et elle va faire ce qu'on appelle une pseudo-gestation. Donc en fait, hormonalement parlant, alors évidemment il y a des grosses variations entre une chienne gestante et une chienne non gestante, néanmoins, le pattern va être à peu près pareil en termes d'hormones, ce qui fait qu'une chienne, effectivement, au bout de on va schématiser au bout de 2 mois, effectivement, qui correspondrait à la mise bas d'une chienne gestante, peut développer une lactation, peut développer effectivement un comportement maternel, chercher ses jouets et faire ce qu'on appelle une grossesse nerveuse, effectivement. Ouais. Alors, ça se traduit par une chienne qui va être un peu apathique parfois? Parfois, les propriétaires nous décrivent une dépression, vraiment. Même une chienne qui est... un changement de comportement total. Extrêmement important, oui. Et puis parfois, c'est vraiment, comme tu disais, elle prépare un nid. Elle met ses jouets dans son nid comme si, ça y est, elle materne en quelque sorte. Tout à fait, c'est ça. Et donc, il peut y avoir une baisse d'appétit aussi. Il peut y avoir une baisse d'appétit. Et puis parfois, les propriétaires voient juste que les mamelles se développent, voire qu'elles ont du lait qui coule des mamelles. Ça peut être simplement une lactation de pseudo-gestation. Voilà. Alors, il y a 2 cas. Soit il n'y a pas d'effet sur le comportement, et juste on voit ces mamelles un peu gonflées, une montée de lait, on peut gérer soi-même. Oui, alors effectivement, si ce n'est pas trop important, il y a des moyens à la maison de prendre en charge effectivement déjà la lactation et d'essayer de tarir la chienne par des méthodes naturelles, entre, ouais, guillemets. Voilà. Alors justement, j'ai bien aimé l'exemple que tu donnais du persil frais. Oui. On peut donner du persil frais. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Alors après, il faut que tu aimes, hein, évidemment. Oui, c'est ça. C'est alors, j'ai des propriétaires qui font des petites omelettes. Bon. Et ça marche très bien en traitement de phytothérapie pour tarir, exactement, la chienne. Exactement, oui. Est-ce que tu conseilles ou pas des bandages avec des compresses pour compresser la mamelle ou pas? Alors, je le conseille pas trop parce que c'est quelque chose qu'aurait du mal à tolérer la chienne et en général, c'est pas seulement pour comprimer des mamelles, c'est-à-dire que ce qu'on fait chez la femme, c'est appliquer des cataplasmes qui risquent de pas être tellement tolérés chez la chienne et souvent on n'en a pas besoin. Donc ça, c'est pas quelque chose que je recommande aux propriétaires. Ce que je vais recommander, c'est effectivement d'essayer d'empêcher le comportement maternel. Donc si effectivement elle a tendance à rassembler tous ses jouets, de lui supprimer ses jouets pendant une durée courte, évidemment, ouais, et de donner effectivement du persil frais. Et surtout, un des points primordiaux du traitement, plus toucher du pas tout au mamelle parce que le chiot, quand il tète, il masse la mamelle et le fait de manipuler la mamelle, ça fait produire le lait en fait. Et effectivement, bah, si vous caressez le chien ou si elle se lèche, parce qu'il y a des chiennes qui se tètent, c'est sucré le lait, c'est ça qui va, on peut donner tous les médicaments qu'on veut, la lactation va se poursuivre. Donc il ne faut plus toucher du tout au ventre. Et c'est même l'exemple que tu me donnais, c'est que même quand on a un chien et un chat, et que le chat il aime bien aller dormir avec la chienne ou se mettre sur son ventre, et oui, surtout ça peut suffire. Les séparer, oui, ça peut suffire. Exactement. C'est pour ça que dans notre épisode, la photo, vous l'aurez vu, j'avais un magnifique petit jouet rose dans la main que je montrais à Péton en lui disant non, il faut retirer tous les jouets, oui, absolument. C'est ça. Donc ça, c'est gérable tant qu'il n'y a pas d'effet sur le comportement. Exactement. Et maintenant, si elle devient dépressive, qu'elle n'a plus du tout d'appétit, là, il faut consulter son vétérinaire. Exactement. Parce que là, c'est ça. Et aussi que les mamelles sont chaudes et douloureuses. Ah oui, alors ça, c'est assez rare. Sur les lactations pseudo-gestation, exactement. Les mamites de pseudo-gestation, c'est
relativement rare. Je dis pas que ça n'existe pas, néanmoins c'est très peu fréquent. Alors ce que vous pouvez faire également à la maison, et il y a certains vétérinaires qui le recommandent, c'est de diminuer l'apport d'eau et ouais. l'apport alimentaire pendant vraiment une durée courte pour le coup, mais ça marche très bien parce que pour faire du lait il faut beaucoup d'eau. Donc en général si vous diminuez l'eau, vous diminuez la lactation. Néanmoins moi je suis pas... Voilà, c'est des méthodes la diète que j'aime. Hydrique, voilà, c'est un sujet qui est toujours compliqué. Voilà, mais ça marche très bien et par contre vraiment c'est 12-24 heures grand maximum, mais moi c'est pas quelque chose que je recommande forcément. Après effectivement quand la chienne ne va pas bien, à ce moment-là, on va ajouter à ce traitement un traitement médicamenteux qui va aller agir sur les hormones de la lactation, enfin l'hormone de la lactation, pour diminuer effectivement sa synthèse et permettre d'éviter à la chienne de produire du lait. Donc là, on parle de cabergoline, j'imagine. Exactement, par exemple, oui. Par exemple. Et alors, il y a aussi, donc ça, c'est le traitement que met en place le vétérinaire. En général, les effets sont assez rapides, d'ailleurs. C'est ça. Ça va être quelques jours, effectivement, à condition que le reste soit fait aussi. C'est-à-dire que vous pouvez en mettre en place le médicament que vous voulez, si vous continuez de manipuler les mamelles, elle poursuivra sa lactation. C'est vraiment le médicament et les soins. D'accord. Donc ça, vous l'aurez compris, bien entendu, c'est que la difficulté, en fait, pour vous, ça va être de ne pas caresser votre chienne au niveau des mamelles. Et puis, ses autres copains, que ce soit chien ou chat, qu'ils évitent de venir trop au contact. Mais Juliette, par contre, quand le traitement à base de cabergoline du vétérinaire seul ne suffit pas, là, on peut envisager, soupçonner un problème au niveau des ovaires. Exactement, voilà. Donc sur les lactations qui vont être réfractaires au traitement, là on va conseiller de faire une échographie ovarienne parce que les kystes ovariens peuvent être une cause de lactation persistante malgré le traitement médical. Et donc s'il y a des kystes, il faudra stériliser la chienne. Il y a également des parfois on ne trouve pas la cause et on peut ajouter des médicaments pour potentialiser en fait l'effet de la cabergoline. Merci beaucoup Juliette pour tous tes conseils. Avec plaisir. En tout cas, lors de grossesses nerveuses chez votre chienne, vous l'aurez compris, pas de caresses au niveau du ventre et des mamelles. Sur le dos, bien sûr, vous avez le droit. J'espère que vous aurez aimé cet épisode, plein de conseils très pratiques. Et puis, si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne YouTube Tony et Léon. À bientôt, Juliette. À très bientôt, Valérie. Au revoir, Péton. T'es adorable. Très gentille.